Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux. Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pour mieux que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. C'est toujours un plaisir de revenir à l'Estadio José Alvalade, un stade baptisé en l'honneur du fondateur du Sporting. Le stade est plein ou quasiment plein et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. C'est vrai que niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes, on espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant, c'est ce que je ferai moi. Le match commence. Séville qui peut avancer. Allez. Lucas Ocampos. Reguilón. Bien joué ça. Séville qui essaye de construire. Un grand dégagement le plus loin possible. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Fred avec Rashford. Attention, ça peut aller vite côté gauche. Et ce ballon devant le but. Reguilón. Banega. Lucas Ocampos. Reguilón. Dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Dans la boîte. Lindelöf, Pogba, oh ce jeu de passe, quel régal! Diego Carlos, Suso, donc il va vite sur ce côté. La passe dans la profondeur, corner à suivre. Ils ont notre chance. Et l'arrêt, magnifique. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Vous avez remarqué qu'on est latéraux neutre? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Coup franc pour Manchester United. Bon dégagement. C'est récupéré. Maguire. Belle passe lobée sur l'aile. La passe en profondeur. Suso bien placé sur ce long ballon. Peut-être une occasion pour Lucas Ocampos. C'est repoussé. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner.
c'est joué court à deux. Là, il peut centrer. C'est parti. Un peu d'air pour la défense. Voici Martial. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il allonge vers l'avant. Attention avec les tacles. Ça joue long vers l'avant. Il allonge le jeu. Il a mal dosé son geste. Dommage. Maguire. Lindelöf. Fred. Maguire. La longue passe pour filer droit au but. Koundé. C'est joué long. Le ballon a franchi la ligne. Et il cède sous la pression. Grosso Martial. Le but pour Manchester United. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Long ballon dans le sens du jeu. Banega. Souza. Il relance côté droit. Il l'a vu. De la tête. La parade. Magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Bruno Fernandes. Oh, ça peut aller au bout. Pogba. Maguire qui cherche la profondeur. Reguilón. Un long ballon vers l'avant. Lucas Ocampos. Luc de Jong. Sur la gauche. Oh, c'est chaud. Dans la surface. Oh, il y a danger. Et il dégage. La fin de cette première période, les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic. On verra bien. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Le FC Séville n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Bruno Fernandes, il décide d'allonger le jeu. Fred. Lindelöf qui allonge. Une très longue passe. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Souza. Centre détourné.
Ce sera une touche. Ils obtiennent la touche. L'interception, bien jouée. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. La passe en profondeur pour Souza. Il s'impose physiquement dans ce duel. Bruno Fernandes. Maguire. Il allonge, pourquoi pas. C'est dégagé loin. Mais le ballon a franchi la ligne. C'est joué long. Il va avoir de l'espace. Il est sur le côté. C'est bien fait, ça. Martial! Il rejoue derrière lui. Attention, la frappe! Oh, le gardien est là, la classe! Oui, il était bien concentré, bravo! C'est dégagé, loin devant. Pogba, il peut frapper. Manchester United a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. Oui, c'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe là. L'inconvénient, c'est qu'il laisse pas mal d'espace dans d'autres zones. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici ? Le FC Séville semble surtout concentré sur l'aspect défensif en ce moment. C'est peut-être... Eh oui, faute. Coup franc. Chaud. Occasion peut-être pour Rashford. Il est à distance de tir. Souza. Il cherche la profondeur. Souza. Il y a danger. Il est bien placé. C'est une occasion, ça! Mais il rate le cadre. Oui, mais qu'est-ce que c'est bien fait? C'est superbement réalisé. Ça manque un petit peu de précision à l'arrivée, mais le geste est superbe. Quelle passe! Souza dans la profondeur, bien vu. Faut frapper là. Et c'est un but. L'égalisation pour le FC Séville. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même.
Le jeu reprend sur un score de parité. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Chaud. Il est lancé sur l'aile. Dans la surface. Oh, il y avait danger. C'est une remise en jeu. En retrait. Le jeu repart vers la droite. Ah, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Banega. Koundé. Ça joue long vers l'avant. Maguire. Fred. Il allonge le jeu. Pour l'instant, on va droit vers un match nul. Le prochain but, s'il est marqué, sera sans doute décisif. C'est le moment ou jamais de marquer ce but ô combien précieux. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Il s'échappe le long de la ligne. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Le centre. Ça ne passe pas. Chaud. Martial. Martial à droite. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Il va falloir porter le danger vers l'avant. Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Banega. Koundé. Long ballon dans le sens du jeu. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. C'est parfait, magnifique. Avec Banega. La frappe. Oui, c'était puissant. Bruno Fernandes. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. On va donc vivre une prolongation. Très peu de différence entre ces deux équipes. Le résultat me paraît donc tout à fait logique. Et deux équipes, toujours au coude à coude après 90 minutes. Place maintenant à la prolongation. Ça va se jouer au moral sans doute. Le coup d'envoi de cette prolongation. Banega. Reguilón. Oh, quel geste! C'est le moment de centrer! Bien servi! Lucas Ocampos vers l'arrière. Attention, occasion! La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Quelle séquence de passes! Collectivement, c'est parfait! C'est joué dans la profondeur. Chaud, bien servi sur le côté. Ouais, il peut choisir de centrer! Bruno Fernandes. C'est dégagé. Et le ballon a franchi la ligne. Rashford reçoit le ballon. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Lucas Ocampos. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux.
Lucas Ocampos. Il écarte, ça joue long. Il est tout seul. Centre au second poteau. Et la tête. Oh, c'est dedans. Et ce but pourrait être décisif. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Et voilà, avec un petit but d'avance. Fred. Lindelöf. Il joue long. Rashford. Bien placé sur ce long ballon. Diego Carlos. Luc de Jong. Il joue sur sa gauche. Oh, quel geste! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il préfère repasser derrière. Oui, c'est bien défendu. Luc de Jong. Panega! Quelle parade de De Gea! Un centre dans la surface. Il est là pour dégager. On est à la moitié de cette prolongation. Séville qui a réalisé un véritable exploit sur le fil, moment exceptionnel. Les deux équipes nous ont montré beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Les joueurs ont beaucoup donné. Ça va jouer dans la tête maintenant. Et le coup d'envoi a été donné pendant qu'on était dans nos analyses. Et il faut continuer à tout donner dans ce dernier quart d'heure. Shaw. Rashford. C'est bien ce qu'il fait là. Et la touche maintenant. Elle continue sa course. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il dégage. Souso. Et le raid côté droit, il a du soutien. Le ballon dans la profondeur. La bonne passe. Va-t-il en profiter? Dans la profondeur. Allez, ça doit faire but. Avec Banega. Lucas Ocampos. Qui choisit le côté gauche. C'est bien fait. Banega. Souso. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. C'est joué long, c'est dangereux. C'est joué dans l'espace. La passe est précise. Le drap. Rashford. À côté. Diego Carlos. Reguilón, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Luc de Jong. Martial. C'est fini. Le match est terminé. C'est vraiment une victoire tactique magnifique de leur part. Ils étaient menés dans cette rencontre et ils ont réussi à totalement revenir au score. Bravo à eux. Comment un tel retournement de situation est-il possible? J'aimerais bien avoir votre sentiment.
Je pense que nous avons vu un sacré retournement de situation. Voilà ce que j'en pense, mon ami. Et peu de gens l'attendaient. Voilà, on doit malheureusement se quitter. Une...